Mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Channel Moon Affaires Bon TV. Mesdames, messieurs, comment nous y est, comment nous passer journée? Eh bien, nous-mêmes, bon côté par nous, ça fait nous plaisir. En pile, évidemment, pour nous retrouver, nous, pour nous dialoguer, pour nous parler avec vous. Évidemment, toujours sans stress. Eh bien, nous, tout d'abord, nous avons une bonne nouvelle, mesdames, messieurs. Nous connaissons plusieurs Haïtiens qui bloquaient, plusieurs visiteurs qui bloquaient aux États-Unis. Eh bien, très bientôt, eh bien, gouvernement prend décision et pral gen vol au point de vue international. Ça veut dire que Haïti ça qui aux États-Unis, Haïti ça qui tout côté, y a capable rentrer en Haïti très bientôt, mais évidemment, a gen des conditions parce que nous connaît que avec question maladie ça, tout le monde doit prendre précaution. Et dans l'autre actualité, mesdames messieurs, y a une autre bonne nouvelle encore. Nous connaît que nous t'ai déjà parlé avec futur et député ça, madame Daphne Campbell, eh bien, dans l'État Floride, yon haïtienne, eh bien, nous avons une chance et t'aller comme ça pour nous faire un petit parler avec lui. Parce que nous-mêmes nous dit, Channel Moun Affaires Bon TV n'a supporté tout ça qui est haïtien, qui est positif. Mesdames, messieurs, eh bien, c'est nous-mêmes ça. Évidemment, pendant qu'on a parlé de Haïti, mais nous devons parler question de insécurité, bandit qui a baillé l'État, ultimatum, eh bien, évidemment, nous devons faire toucher sur ça, oui, mais nous avons plus été sur ça que positif. Et sans compter, eh bien, dans le cas président, ancien président, nous avons parlé de Jean-Bertrand Aristide, eh bien, il y a une grosse tête, mesdames et messieurs, dans le moment où on a parlé de la famille Lavalas, tête en bas, il y a une grosse tête qui te jeté Jean-Bertrand Aristide, eh bien, gouvernement américain prend décision pour yon tourner mis en Haïti. Eh bien, nous allons avoir plus de décision. Et avant tout, nous allons faire tout en Haïti là. Mesdames, messieurs, Nabdi Mounio, s'il vous plaît, parlez-nous pendant la belle information. Hein. Et t'allez comme ça, on parle de nous l'autre information pour nous remercier Docteur Solution Plus qui font gros gestes à Channel Moun Affaires Bon TV, mesdames, messieurs. Côté que, grâce à Docteur Solution Plus, eh bien, dès demain, nous allons en mesure pour nous faire notre transfert pour nous voir ni en Haïti, puis ni dans notre pays. Yo. Donc, on nous entre directement avec Lionel qui parle de nous plus d'informations. Donc, nous remercions tout d'abord tout le monde qui branchait et nous partons là. Lionel, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir Jimmy, bonsoir tout auditeur, auditeur Moun Affaires Bon TV. Alors non seulement bonsoir, bonjour, ça dépend de qui le et qui côté et bien n'attend des émissions en un moment ça. Effectivement, nous entrons tout feu tout flamme avec information pour nous, nous entrons la caillou dans un moment ça. Et bien, quelques principales et bien information nous pour porter pour nous et bien côté que gagne et bien et gouvernement ici à travers le ministère et bien travaux publics MTPTC avec Olivier Jean qui est directeur général au FNAC, et bien jeudi a gagné au chita par les fêtes dans l'aéroport international tout saint louis du et bien collègues qui ont déjà statué, ont déjà à réfléchir et bien dans les jours à venir très prochainement collègues qui vont bien réactiver bien tout vol international, tout vol, alors vol commercial international et bien capable d'activer le pays pour permettre avec compatriotes nous surtout qui eh bien aux États-Unis eh bien en France eh bien tout côté sur la terre bénie eh bien qui est en contact compatriotes sont capables d'entrer dans le pays eh bien en toute quiétude, mais cependant il y a bien pour parler obligation ou distanciation sociale respectée. Côté que eh bien non avion ça eh bien monde va avion va capable porter même quantité monde te connait porter. Et bien, parmi lesquels, parmi les compagnies aériennes, ça a été gagné American Airlines, JetBlue, gagné Spirit, gagné Sunrise. Et bien, majorité, et bien, compagnies aériennes, ça a été téléphone présent avec, et bien, et non importe la journée, jeudi, et bien, c'est une discussion que tu as faite, et bien, comment, et bien, dans les heures à venir, très prochainement, et bien, cette fois-ci, c'est pas. Eh bien, sorti que tu es fait, nous sommes la dernière fois, où tu es fait sortir, tu es fait qu'on est que, on a bien pu rentrer, mais il faut que tu testes, il faut que tu viennes avec le résultat de test, et puis on va descendre dans l'hôtel que le gouvernement a déjà précisé. Mais cette fois-ci, nous, ça a fait échec, eh bien, cette fois-ci, monsieur, yo réfléchi de manière positive, eh bien, yo prend une décision pour que diaspora capable d'entrer dans le pays, yo, pendant que yo a contrôlé, eh bien, pandémie, pour que à partir de, nous connaissons, c'est déjà 11 000 capines là, eh bien, le port des masques sera donc obligatoire et bien chez tous les citoyens et bien non seulement et bien et mesure ça qui te prend et bien nous allons
ouais tout, et bien gros bout votre et bien pour garçon ça qui est pour entrer dans le pays, et bien dans les jours à venir, et bien et déjà le gouvernement américain a déjà annoncé de pouvoir déporter plusieurs compatriotes qui veulent être en situation irrégulière le droit. Et bien n'a pas rappelé Toto Constant, c'est monsieur ça nous songeait en 91 qui était nous souhaitait ça monsieur ça t'est fait dans le secteur Lavalas là, comment monsieur ça t'est bouleversé Lavalas. Et bien c'est même arrivé, et bien by Aristide coup d'état, et bien lors du Toto Constant ça avait vendu président Aristide Bouy, lors du Toto Constant ça a déjà fait vendre André Michel Bouy, lors du Toto Constant ça fait vendre en pile nègre qui lance surtout dans et bien dans parti politique Laval famille Lavalas. Et bien dans moment ça nèg yo et a réfléchi, nèg yo qui t'a pensé et bien, président Jovenel Pral utiliser monsieur ça pour le target yo, mais nous dit non c'est pas ça. Mais nous faisons histoire ça, comment mettre la tête sur tout le monde en 91 pour être abouti avec le coup d'État en 91. Mais c'est même gens tout l'ordre dit Guy Philippe, l'ordre dit Guy Philippe, c'est même gens l'ordre dit Toto Constant. Et bien, dans les jours à venir, nous avons pour faire jeune et faire atterrissage sous sol et bien, national là. Eh bien, déjà, eh bien, monsieur opposition, c'est comme si Mdadou, c'est les rats ou les chats, et bien, c'est comme ça, votre négo à battre. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir, la pétane? Eh bien, justement, quand on a encore nous voir le dossier, gang, dossier Village de Dieu, eh bien, monsieur Village de Dieu. Mais attends, Lagnol, n'a pas rappelé, nous, mesdames, messieurs, et dans le cas Toto Constant, et monsieur, ça sont criminels liés, il y a peine de sortir en prison, et Lagnol. Son prisonnier, ancien oui, prisonnier. Oui, c'est un ancien prisonnier. Non seulement monsieur ça, on a appelé pour auditeur, auditrice, mon affaire pour TV. Monsieur ça a passé 12 ans en prison et bien aux États-Unis. Et bien après, monsieur ça a passé 12 ans. Est-ce qu'il va être revanche? Est-ce qu'il prend et bien vengeance? Nous ne connaissons pas la piscine. Mais en tout cas, nous, le secteur, et bien la valance là. Très, pour ne pas dire secteur opposition, parce que vous ne pouvez pas dire que nous opposition plurielle en Haïti. L'autre opposition, il y a parmi les qui est Maurice Charles, mais de nos jours, et Maurice Charles lui-même, il presque a fait le cavalier seul, il n'a pas assez collé avec une série de monde. L'autre André Michel, Maurice Charles n'a pas assez collé avec elle. L'autre M. Moret, Maurice Charles n'a pas assez collé avec elle. Maurice Charles qui a un ex-sao, et bien, il consage au sale. Moi, j'ai lancé avec les gens qui ont robé au blanc à Paché. Nous ne pouvons pas faire. Eh bien, nous ne pouvons pas faire. Alors, pendant la discussion, mesdames, messieurs, nous parlé de Toto Constant. Eh bien, monsieur ça qui est États-Unis par le déporté. Eh bien, c'est monsieur ça nous capable de voir dans la photo ça. Et depuis sous figure où est son ancien Toto Makout, où est son danger. Et je pense que l'important. Et j'en nous dis, Haïti pas en république poubelle. Là, mais c'est ça, au fin de faire crime comme ça, au fin de faire gros crime. Et bien, souvent, c'est en Haïti, vous voyez comme ça. Et nous connaissons qu'avec gens des criminels, ça y est, viennent mélanger avec l'autre petit bandit, ça y est, qui ça s'appelle le bagne. Donc, c'est pas un bagage qui s'est, mesdames, messieurs, c'est pas un bagage qui s'est. Je veux dire, nous dit que nous devons reconstruire la nouvelle Haïti. Mais pour nous construire la nouvelle Haïti, il y en a qui sont fait 12 ans en prison aux États-Unis. Les autres en Haïti, qui ça va bien faire? Est-ce que l'après utiliser la prendre conscience pour dire bon utile payant m'a moins apprendre que me défaire des autres pour me pas recommencer, mais en tout cas n'absurde, mais l'essentiel faut que prison nous déjà paré pour gens des criminels ça yo, pour nous déjà s'il le faut mettre un GPS, mettre bracelet dans pied yo dans pas petit criminalité fait pour nous mener directement en pénitencier, parce que c'est ça. C'est trop sitirance, trop tolérance qui fait on bandit qui se fait 10 ans, 20 ans aux États-Unis dans la prison. Là, l'entrée en Haïti, c'est nos gars qui rentrent. Ils n'ont pas fait ça. Pas de surveillance. Ou pas contre si les gars ne peuvent pas faire crime. Ou pas contre si ne peuvent pas faire serrer des vieux bagages. Donc, mesdames, messieurs, en nous vigilants et dans ce sens. Et nous poursuivons la non. Mais nous, nous avons précisé tout pour auditoire là. Et préciser tout pour auditeurs, auditrices, vous l'avez fait pour TV. Monsieur ça, alors, nous sommes capables de dire criminel entre parenthèses, mais nous connaissons monsieur ça lui-même en 91. C'est mon qui débat l'esprit qui débat Namli pour te aimer gourmet pour te retirer pays, alors retirer d'après ça, te dit pour te retirer population en bas, et bien, et secteur Laval à ça. Donc, c'est ça qu'il débat et comme mission, mais. Pour te réaliser ça, il est arrivé et bien et alors tu en pile monde, mais nous connaissons monde et c'est et nous capable dire pour
c'est en Haïti les batailles. Yo toujours été tout nous politique pas fait sans. Mon pas fait politique pas fait sans et bien révolution pas fait sans. Donc c'est comme ça monsieur tout été tout. Même monsieur ça qui soutient actuellement là tout révolution pas fait sans. Donc c'était la même réalité pour monsieur ça Toto Constant en 91 et bien pour arriver à aboutir avec le coup d'état en 91, il était bien arrivé et tué en et plusieurs monde d'après ça, d'après rumeur, mais cependant, mesure après le mettre sous terrain. Donc, c'est un haïtien quand même, il y a un droit ici. Alors, États-Unis pas pays, mais il faut le déporter, c'est dans le pays, Nathalie l'a fini. Mais nous souhaitons que ce qu'est la justice, c'est travail. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas participer pour nous dire, donc, comme nous avons la justice en pays, et bien, si la justice fait travail, et bien, même Jean Tour, nous sommes Guy libre, même si nous avons participé dans le coup d'État à Axide, et bien, mais la seule chose, monsieur Lavalasio, dans le moment où on a parlé là, quel est qui a sauté, quel est qui a bouilli, et bien, c'est un coup les rats ou les chats, quel est qui a bouilli. Donc, nous allons poursuivre avec l'autre information, parce qu'on connaît que nous ne voulons pas faire émission trop. Trop long parce que mon dit non l'émission trop longue il va gagner trop de temps pour entendre tout bagaille à ce moment là on a passé résumé par contre et nous connaissons un ultimatum là mesdames messieurs comment vous voulez faire quoi il y a un pays côté que gouvernement a lancé ultimatum et bien on équipe petit bandit vers chiré pantalon chiré qui a dérespecté un gouvernement mesdames messieurs qui compte qu'on donne ça pour bandit à bail gouvernement ultimatum oh oui si nous pas venir retirer tel bagaille nous va faire massacre. Mes amis, et entendez, est-ce que nous entendez? Bandi sa yo a bay gouvernement ultimatum pendant ce temps, ou pas tant de droit de l'homme. Ou pas tant de droit de l'homme qui quand en cour il vient dire que bandi sa yo pas gagne droit faire ça. Pendant ce temps, il y a menacé population côté va tirer sur yo. Et les gouvernements passent à l'action, ou tant de tout nèg tenant droit de l'homme, droit de femme, ou pas dire droit de demoiselle. Vous comprenez? On parti et là non. Tout à fait auditeur va faire bon TV. Effectivement, nous connaissons après, eh bien, gouvernement planté, bah, un ultimatum, mais pour que M. Bandi, eh bien, remettre Zam, dans 72 heures de temps, après le pénétrer le village, mais nous, ça a été passé inaperçu. Donc, M. et policier, eh bien, c'est comme si, eh bien, tombé en faiblesse face à des gens qui ont appliqué. Eh bien, qu'on est là, c'est M. Villageo, à travers ISO, chef gang ISO, eh bien, qui a peine lancé un ultimatum là, du fait qu'on est libre, et président Jovenel, eh bien, 3 jours, et pour capable faire disparaître toute vie, eh bien, vie battre avec un chasse à l'ouest qui campait en bas, je vais faire ça. Et le bail, il a lancé un ultimatum par le président Jovenel pour dans 3 jours, pour lui retirer tout séparateur eh bien, qui bloquait le village là. Et bien, s'il va faire ça, eh bien, dans le moment où il a même souri, même joie, il va passer, il va le bloquer. Non seulement il a bloqué la même circonscription, et monsieur, même fait qu'on est, il a voulu prendre le périmètre palais national là, de l'Europe. Il a même menacé. Pour mettre le président Jovenel dans le soulier, pour mettre le président Jovenel dans la difficulté, pour investir, et bien, s'il ne fasse pas les nationales là. Donc, mes sacs, et bien, et gang en Haïti. Donc, pendant ce temps, tout, vous série des médias qui te font bail, et bien, voilà. Nous, qui te font bail, bandits, et bien, fait la une. Parce que bandits en Haïti, il y a un magasin qui fait, il y a un secteur qui fait bandits, bien, vint ça, aujourd'hui, qui fait qu'on fait des voix, qui fait, et bien, vint populaire, c'est la presse. Radio, c'est ça, radio. Il y a trois opportunités pour y parler, c'est ça. Nous-mêmes, nous coupons ça, regardez sa pièce. Yes. Yeah. C'est à travers certaines stations de radio, et bien qui pas d'écoute, à travers certaines stations de radio qui pas d'écoute, là on va faire une émission, et bien 10, 20 personnes pas branchées, et bien peu on va faire des personnes branchées, ils sont obligés d'entrer dans un dilemme, à bail, vagabond, mal frappé, aller, et bien on va faire voir au passé, et bien justement, et même j'entends, gagner, et bien Louko Désir, et bien nous connaissons monsieur Sayo, ce sont des eh bien, animateurs, ce sont des journalistes eh bien, qui toujours créent des sensations. Eh bien, Louko Désir lui-même, il était fait en accusation eh bien, à l'encontre de Michel Angédéon. Il était fait comprendre que Michel Angédéon prend le candidat. Eh bien, effectivement, jeudi, mercredi, Michel Angédéon te répond Louko Désir pour faire comprendre que non, il n'y a pas de jambes qui ont été qu'il prend le candidat à la présidence. Eh bien, Michel Angédéon qui qualifie eh bien, Louko Désir, l'elfine manger, il fait tout le bagage pour qu'il fasse des gestions sur nos niveaux. Eh bien, justement, Michel Angédéon à peine se démenti Louko Désir en ce qui a été avec. Alors, ça qu'il t'a dit qu'il est sous nom et Michel Angédéon, qui Michel Angédéon gagne dans tête qu'il va poser candidat donc, à la présidence. Donc, là, mesdames et messieurs, nous connaissons, c'est sûr et certain, dossier Woodboy, il refait surface.
côté que effectivement nous te dire et non seulement Woody Woodboy a passé population haïtienne dans la bêtise, eh bien nous apprenons que madame ni était madame était malade tout, mais heureusement finalement madame ni guérit, mais jusqu'à maintenant Woody Woodboy toujours malade. Qui ça veut dire l'on analyse le constat comme ça ou nous prend bagarre pour un jouet, mais pendant ce temps si vous faites conférence de presse ou parlez devant médias ou du guérit pendant ce temps ou continuez à fréquenter population et fréquenter bonne fréquenter et gérant la cour, fréquenter tout le monde pendant ce temps et ou toujours malade, et bien ça sont bagay qui quand même grave à moins que est-ce qu'il va connaître, mais l'essentiel et bien nous dit que faut qu'il y ait des restrictions qui prend beaucoup plus sévère parce que nous avec les trois cas maladies à cap monter. Donc là nous n'a pu être mais sans pile parce qu'on est là pour sur nous et pas oublier mesdames messieurs, nous allons parler avec le futur député madame Daphne Campbell. Nous avons déjà fait parler avec lui, mais cette fois-ci Daphne Campbell mesdames messieurs, il y a en pile bonne nouvelle pour nous même en Haïti et m'a demandé nous rester branchés et puis monde qui Saint-Domingue et m'a tout dit nous parler et madame non, parce que on connaît grand pile travail à faire et préférer nous de Salomon ou là nous. Merci, justement, Jimmy, avant que nous laissions, nous t'en remets et alors faire nous parler d'informations. Il y a un groupe de journalistes qui étaient réunis dans la grande avenue, je ne veux dire, et bien, côté que bandits étaient attaqués, parmi eux, il y a un certain. Il y a un certain Maggi, il y a un certain Mona et Gentil qui prend balle. Dans le moment où on a parlé là, il y a une salle d'opération, la subi intervention chirurgicale. Donc, parmi lesquels, il y a 11 journalistes, et bien parmi eux, il y a Maggi et Gentil qui prend balle. Dans le moment où ça, il y a subi intervention chirurgicale. Donc, c'est l'information que nous prenons fin. Merci et à la prochaine pour l'autre information. Merci un peu, mon frère. Merci un peu. Donc, nous allons parler tout de suite avec justement Salomon. Et lui-même qui déjà apparaît, mesdames, messieurs, parce que nous connaissons que Haïti grand pile l'actualité, mais et nous allons faire effort, nous allons faire effort pour nous border de plus en plus et plus nouvelles qui positives, parce que si nous attendons, si nous étions en Haïti seulement, il y a trop de bagages négatifs qui a passé, et bien nous-mêmes nous décidons pour nous. Et dans chaque nouvelle là-bas, même les difficiles, oui, mais nous allons essayer de jouer bagages positifs quand même, parce que Haïti ne va pas arrêter sous sac négatif, il y a trop de négativité. Yes. Et bonsoir, Salomon, comment est-ce? Et bonsoir Jimmy, bonsoir Haïti, bonsoir auditeurs, auditrices, Chanel Mouna Febo TV. En même temps, on a salué Léonel qui se font bel travail là. Léonel fait pas mes amis pam et en travaille pas moi et bon travail. Et moi, vraiment satisfait du travail. Et Jimmy, et comme on connaît avant nous, un sénateur et Floride là, nous pouvons partager des informations qui font tomber la Jimmy. Et je pense que l'information nous pouvons faire la diaspora content et faire un peu de monde content. Et parce que nous avons un dossier, nous pouvons aller dossier RNDDH. Nous pouvons faire la Jimmy. Nous pouvons faire la Jimmy. Qui fait tomber dans votre mamie. Mais ces dames RNDDH de la courir là. Il y a un monde qui a posé cette question. Qui est-ce? Qui ça veut dire RNDDH? RNDDH, ça c'est le réseau national qui va être sinon droit de l'homme. Le réseau national de défense des droits humains. Ça veut dire, nous on a parlé là. Mazou, Valé Chesbao. Tout ça va vous faire espérance. À chaque fois que le gouvernement t'a voulu prendre des dispositions pour traquer les bandits, on vient de venir à NDDH qui est toujours pétolé, eh bien, le moment qui m'en a parlé là, va la compliquer pour NDDH, il va l'expliquer nous sa game. Mais pas bien. Information, ça y est, ULCC, nous demandons de mener une enquête. Les amis, attendez bien. Nous allons être de travail de DH dans le pays. Et nous allons parler fort. Et nous toujours disons ça, nous allons parler fort dans le pays. C'est les gens qui ont la corruption, qui ont volé, ça veut dire, voyons fort. Parce que, il y a la voix au chapitre. Qui est-ce que l'information, mes amis?
Unité de lutte contre la corruption, on va dire UNCC, ils ont lancé un avis de recherche. J'ai mis mes informations. Avis de recherche, mesdames, messieurs. Ils ont lancé un avis de recherche contre l'administratrice, réseau national de défense des humains. Attendez, bien, mes amis. Reprends ça pour nous, ça trop fort. Mes amis, attendez, bien. Diaspora, vous pensez là. Donc, Jimmy me dit, est-ce que c'est Champagne, Macron, les Mouniens, bref. UNCC, qui veut unité et lutte contre la corruption, qui lance un avis de recherche contre l'administratrice, réseau national de défense des droits humains, en parlant de RNDDH, qui mélangeait avec Pierre Espérance. Marie-Jeslie Damas Jean-Pierre, ça dit bien, mes amis. Pour refus de répondre aux questions de l'INCC. C'est ça. Je ne vais jamais lui répondre. Bravo. Chaque fois que vous convoquez, je ne vais jamais répondre. Comment ça vous fait? Et autour de l'enquête qui est déjà en cours pour subvention qui était accordée avec RDDH par Bio, monétisation des programmes d'aide en matière de développement BMPAD. Vous savez, vous avez une somme comme dans le meilleur. Vous avez pris l'État pour subvention qui était fait. Marie-Hélène Jules. C'est quitté un DDH, là elle fait et Fondation G. Fondation G éclairé. Ça veut dire, n'a pas d'information. Eh bien, Port-au-Prince, 6 mai 2020, une unité de contre corruption lancée en avis de recherche que Madame Marie Gessly Damas Jean-Pierre est devenue administratrice. Puis elle s'est fait faire bien. Selon l'avis de CCA, Dame ça qui s'est mentionné a refusé de répondre à la déconvocation, mes amis, à l'institution qui est chargée pour lutter contre la corruption. Mes amis, c'est le NDDH toujours, ou qui vole, NDDH qui toujours dans le vole, NDDH qui joue les jeunes, NDDH toujours joue les gens qui sont en corruption, et puis la caille par eux, qui vont corrompre assez eux-mêmes. Par exemple, on va revenir. C'est chaque tabouille par révolte. Eh bien, et comment ça vous dit, est-ce que vous chargez pour lutter contre la corruption dans quatre enquêtes en cours autour des subventions accordées à l'EDDH par Bio, monétisation des programmes d'aide, développement par DBM-PAD, en pillage. Conformément aux dispositions de l'article 11, je parle des alinéas D du décret 8 septembre 2014, qui porte en création l'unité contre. L'unité lutte contre la corruption et service d'enquête investigation CIA recherche activement Marie Gessly Damas Jean-Pierre. C'est ça qui parlait. Je dis, avis recherche à tout, j'ai vraiment communiqué avec la direction centrale de la police judiciaire. Ça a dit, Jimmy, malade arrivé de CVJ là. Bien sûr, on se rendait compte. Oui. Alors, on parle en pile, on parle folant. Pas un jeu là. Nous avons appelé nous, sous président Joseph Mouivet, et lors des transitions, directeur général de BMPAD là, Patrice Noa Ramé, et octroyé une subvention de l'État, bien mes amis, 1 million de gouttes avec l'organisation Droits Humains, NDDH, qui était entre les divorces entre Marie-Hélène Gilles et Pierre Espérance. Pierre Espérance, il y a 1 million de gouttes bien pas dans le même comme subvention. Bien espérance, à propos de l'État en bas, pendant que le règlement chasse NDDH, il n'y a pas l'autre pour mon apprend en dans le l'État. Je dis à là, c'est tellement intelligent, il prend et madame, non, il met comme administratrice, eh bien, le moment où on a parlé là, USCC. Lancer un avis de recherche contre un NDDH qui toujours a pris des positions contre pouvoir comme quoi. Nous toujours avons des pièces pour ça dénoncer le pouvoir, qui s'est volé. Pièces pour ça dénoncer le pouvoir, qui n'a mal versation pendant qu'il y a un jour de là, mes pièces pour ça sont courues là. Dossier arrivé de CPJ. Dossier a nommé des CPJ, nous on a parlé là. 1 million de gouttes, c'est fond dans BMPAD qui agène RNDDH
en Pimoun, dit c'est un groupe qui travaille et comme si c'est une structure politique. Nous, dans un PSU, on s'attend, et puis souvent, dans un Pimoun qui dit, Pierre-Espérance, c'est une structure politique qu'elle gagne. Et nous, plusieurs fois, policiers à victimes, les saillots, ils ne vont jamais défendre les policiers. Mais quand on a des sectionnaires fantômes, oui. Quand on a des prisonniers dans l'arrière, pour des personnes comme ça, ils ont des droits, ils ont des ceci. Depuis que les policiers n'ont pas des prisonniers, les personnes sont défendues. Mais nous voilà quand des prisonniers. Ou pendant un aller pour l'arrière, quand des bureaux, les personnes sont défendues. Mais qui n'est qu'une plus espérance? Plus espérance, c'est un coup. Et il y a qui là, debout au pouvoir monter. Pouvoir m'assembler, nous ouais, à les privés. Puis ça va jamais dénoncer rien. C'est comme si sous privé, mais donnez-moi des nommages qui belle. En 2004, Pierre Espérance était traité privé comme et assassin. Parce que le privé a cité un génocide qui était fait dans ces marques-là. Mais la saisie, ouais, en 2015-2016, en plein, qui a dit privé c'est assassin en tant que ministre de l'Intérieur à cette époque, et sous le régime Laval à ça. Dans 16 jours, même Boussa qui a voulu priver assassin, et bien c'est même Boussa qui a dit vie privée, c'est bien ces garçons, comment on comprend la réalité. Nous voyons comment la politique en Haïti fait. La politique en Haïti, depuis la guerre intérieure, ça fait garder avec le monde qui a souffert. Ça fait garder avec la population. On va comprendre que les pouvoirs te disent, il va être 72 ans avec le monde, le village de Dieu, pour être capable d'évacuer. En dedans avec les bandits, nous et Pierre Espérance, c'est que tu as dit pouvoir, c'est que tu as parlé de la massacre, c'est que tu as écrit plusieurs sens, droit de l'homme au niveau international là, pour bloquer l'opération qui va le faire dans le village de Dieu. Et nous connaissons comment Nexayo, quand il y a un conflit avec des bandits, il y a un conflit avec des séries de nègres qui ne doivent pas qu'ils louent et dit. C'est bien information, mes amis. L'information c'est qui ça y est, et c'est que NDDH n'a couru là. NDDH n'a couru. Nous sommes les barrières, ça devant plus tollé, que sont un million de gouttes, ça devant plus tollé. Et bien, nous on a parlé là, un million de gouttes là, il refait ce passe là encore. Ouais. Il refait ce passe là encore, ça veut dire là, ou pas qu'à mouver quoi, pendant qu'on pas droite. Pourquoi on n'a pas droit, on va prouver quoi? Pourquoi on n'a pas droit, on ne peut pas parler fort. Même pas comprendre ça dans le pays, auditeur, channel mon affaire TV. Pour eux, il y a des séries de monde qui font plaisir. Ils ont une faute, ils ont une corruption, ils ont un volet, ils ont tout vieux malhonnête. Et puis, vous avez critiqué, ils ont beaucoup de monde comme quoi je suis blanc, comme neige. Je suis innocent, je suis catholique, je suis marqué de conception. Et mes pays, auditeurs, auditeurs, chanel, mon affaire, votre TV, n'est qu'il n'en volait, qu'à pour les barrer volait, est-ce que pays, ça, tout bon, oui. La prochaine, moi, Jimmy. Eh bien, Jimmy, nous allons donner notre deuxième information. Et pendant ce temps, la parole pour vous, la question pour nous, avant nous, pour madame, nous ne pouvons pas aller dans plein information. Par ailleurs, il y a ça, Jimmy, nous avons suivi des points. Parce que nous, les PSU, on ne parle pas les fonds. Mais s'il parle les fonds, je dis à l'heure, s'il y a un dossier, il faut nous suivre le dossier Pierre Espérance. Oui. Parce que Pierre Espérance, c'est un qui m'a appris menti. C'est un qui a dit 15 mêmes dans la zone, pendant que même mon chien, pas même victime dans la zone. Là. Nous connaissons ça bien. Nous avons vraiment appelé nous. Mais nous connaissons les nègres qui ont voulu monter. Parce que, malgré les zones, M. Kondi Kondi Massakio, moi-même, je suis allé sur les lieux, les malais, moi je dis. Ça va être ça, c'est toi de donner le même à tout le monde. Mais il y a un rapport qui est toujours fiable, c'est le rapport de la Fondation Jecléria et Mario Lengil et Samuel Dissin, qui est toujours pas fiable. Mais le rapport bien sûr, c'est toujours pas politique. C'est comme si on gagne son politique, mais c'est gagné là, la fait quoi. Eh bien, Jimmy, la consistance pour nous là. Nous battons où là, nous battons. Nous voyons pas l'information là, mes amis, qui avaient cassé. Mes amis, en Mounio, tant pis, nous on a parlé là. Second goût de l'eau dans le monde, brûle. Second goût de l'eau, moi je vais de l'eau.
aller de chez vous parce que nous avons une information terrible. Mando va être là parce que nous avons ce couple-là qui est vraiment terrible. Nous t'avons même connu. Qui est qui n'a menti? Qui est? Pendant que je dis ça, je vais madame, aller dans le moins. Je vais aller dans le moins là parce que je vais aller dans le moins. Ça va vraiment paniquer. Scoop! Et Scoop! TVC, monde! Chaîne internationale, télévision francophone. TVC, monde! Il publie mercredi à un article qui présentait des chiffres non vérifiés sur l'évolution de la maladie dans le pays. Nous texte. Attends, Salomon, Salomon, faut-il recommencer pour nous, Salomon? Mais nous partons des bénins, monsieur. Faut-il recommencer? Faut-il recommencer pour nous? Faut-il recommencer? TVC Monde publie des chiffres soi-disant non vérifiés sur Haïti. C'est TVC qui publie, mes amis. TVC Monde. En plus, mon qui est TV La Caillou, qui va prendre TVC, je dis mercredi, qui publie un texte qui va être problème. Tout ça, c'est que ça dit. Nous, on va comprendre ça. Notre temps, coronavirus en Haïti, famine et crise sanitaire, il est vraiment inquiété. Journaliste a fait état de 8 500 cas de contamination COVID-19 là en Haïti. Selon TVC Monde. Même temps, je connais, est-ce que pour voir dans mon site, ou bien TVC Monde dans mon site, ou bien son plug et vous détruire nous. Prenez bien. Nous, on fait un scoop là, dans les dimonios, moi, je vais trouver de l'eau bon côté, parce que nous voyons de l'eau. C'est soit ça, on va laisser ça dans ça, on a du bon TV, on va faire un mais. Eh bien, en termes de décès, TVC Monde dit, il y a 350 personnes qui sont mortes en Haïti dans le coronavirus. Qui sont 12 cas qui mourent, c'est ne dis pas vrai. Bah, ça va gagner. Nous continuons. Nous donnons un largement différent et qui rend du public par le ministère de la Santé publique et population. Seule instance compétente pour publication de chiffres officiels. Il y a un rapport avec le coronavirus en Haïti. Il y a une source proche, MSPP, confié à Haïti avec Chanel Mounafé TV, que le ministère haïtien de la Santé prend au sérieux. Et qu'à ça, si grand et média ça qui vraiment est publié une note sous question des maladies qu'on a vu ça. Ministère de la Santé publique et ministère de la Santé publique ta même est intention exigé une rectification de la part de TVC Monde. Ça l'est bien dit. Ministère de la Santé publique non une source proche ministère qui confie avec Chanel Mounafé TV de voir demander pour TVC Monde rectifier nombre de chiffres que vous avez là pour vous-même qui ne pas vérifier. Dernier chiffre communiqué par l'autorité sanitaire fait état de 108 cas de contamination pendant qu'il y a 12 décès, il y a 15 personnes qui mourent. Quand vous s'il vous plaît, pas poser une question. Où dites-vous pourquoi je me guéris pour ne pas parler à vous là? Il y a 12 personnes qui mourent, il y a 15 personnes qui guérissent. Pas poser une question si vous dites guéri jusqu'à présent. Depuis les outils sortis en France, est-ce que c'est film qui a monté pour ne pas film? Eh bien, dans le film, on dit, vous dites que vous guérissez, vous dites que j'avais le coronavirus, c'est là. Et les familles. Eh bien, dis-moi, information, mes amis, nous avons blagué, TVC Monde, il a annoncé qu'il y a 8500 cas contaminés en Haïti et 350 décès, selon TVC Monde. Eh bien, il y a une source qui est proche, le ministère de la Santé publique, qui nous a fait confiance, qui n'était pas la Chanel Mounafé TV, et dans les coulisses, l'IFN connaît que MSPP a même bien intention exigé une rectification de la part de TVC Monde et sa information, mes amis. Là, j'ai deux commentaires. C'est ça, là. C'est ça. Ça veut dire que, ça veut dire Salomon, et qui est-ce qui a la vérité là? Qui est-ce qui a menti? Aye. Mais attention, mesdames, messieurs, attention. Et nous avons très bien grand tendance actuellement, grand tendance dans le monde là, et tout ça qui est noir, il y a tendance à rabaisser nous. Il y a tendance à faire montrer que c'est nous-mêmes noirs qui plus malades, c'est nous-mêmes qui plus mourir. Et nous sommes en pile là. Donc, je ne vais pas trop appuyer sur ce chiffre ça, mais en même temps, nous avons été neutre.
Parce que nous voyons que c'est même bagarre qui a passé ici dans le Canada. Au secteur côté chargé haïtien, chargé noir, il faut qu'on ait que la guerre plus de monde qui est malade. Tandis que ce n'est pas vrai. En façon, pour continuer à rabaisser nous-mêmes qui noir. Pour qu'on comprenne qu'on ne parle rien. Vous comprenez? Pendant ce temps, côté juif, il a mouru par millions, il a fait long, eh bien, c'est toujours noir. Donc, dans le cas Haïti, je ne suis pas étonné, mais en même temps, on nous prend ça très au sérieux. Salomon, et nous avons Madame Daphné qui est déjà prêt, qui est déjà avec nous là. Et nous allons faire un petit parler avec lui, mesdames, messieurs. Et nous connaissons okay. Que Madame Daphné, c'est un futur candidat. Sénateur Floride là. Sénateur, c'est mon qui m'y a mis là. Mon qui est dans Floride là. Préparez-nous. Je vais entrer en vidéo. Je vais commencer la vidéo pour Madame Daphné, sénateur Daphné. Et c'est une dame qui est sénateur déjà qui va aller dans le cours encore. Et moi, c'est Haïtien qui est dans qui est aux États-Unis, qui est dans Miami, qui est dans plusieurs. Et ce que là, pour nous, à partir du 18 août, Daphné Campbell, nous allons faire un massacre, nous allons voter là pour nous comment nous capables de rendre plus haïtiens vivre avec légalité, avec papier dans le maillot, parce qu'il faut nous voir noir. Quand vous parlez de Daphné, pour qu'il y ait un défaut de nous et en dans le Parlement, et nous besoin de monde. Donc, on forme courageuse, on forme qui est vraiment brave, parce que. Ma parole aussi, souvent comme un blanc, c'est parce qu'il boit des dangers. Et bien je dis, nous tous haïtiens, qui citoyens, nous avons intérêt pour nous 18 août. Pour lever bonnet avec masse, nous figurons, nous gagnons nous pour aller voter, Madame Daphné Campbell, parce que nous n'avons pas de choix, nous sommes haïtiens. Nous t'essayons déjà, nous ne pouvons pas les refaire encore. Eh bien, nous avons dit Madame Daphné, bonsoir. Et nous bien contents de faire ensemble avec nous. Oui, c'est ça. Ça, c'est surtout pour Haïtiens qui sont aux États-Unis. Yo. Et nous avons demandé nos supports parce que je dis, je nous dis là, et bien, Chanel Bonafé, bon TV, nous avons supporté tout ça qui est haïtien, tout ça qui est positif. Salomon, tant de secondes, et nous avons fait un petit salut, Madame Daphné. Et nous avons dit, Madame Daphné, bonsoir, Madame Daphné, comment vous êtes? Bonsoir, comment vous êtes? Je pense que nous avons joué, nous avons joué en vidéo là. Ou ça va juste porte l'envoi, t'as fait me parler. Oui, oui, bonne seconde. Bonne seconde, Salomon, après l'autre aller. Et en attendant que nous allons faire notre des sports là, mesdames, messieurs, qui est en anglais, mais nous avons. Nous avons. En créole, tu me prends en créole. Ah, en créole. Bon, ok, eh bien, pour l'instant, nous allons faire notre des sacs en français. 2020 election year is here, and on Tuesday, August 18th, South Florida will get a chance to make history again. Vote Daphne Campbell for Florida State Senate District 35, a true leader with proven results. As a former state representative and state senator, Daphne Campbell has brought over $2 billion to our community, a victory that most Democratic elected officials can't claim. Daphne Campbell fought for the rights of international nursing students with temporary identification to take their state nursing exam. Vote Daphne Campbell. Senate District 35. As she represents the city of North Miami, North Miami Beach, Miami Gardens, Timber Park, Hollandale, Pembroke Pine, West Park, Biscayne Gardens, Miramar, Opa-locka, and Hollywood. Daphne Campbell has over 25 years of experience. Daphne Campbell was instrumental for championing bills like affordable housing, medical malpractice, bullying in the public school system. With Daphne Campbell, it's all about results. We've done it before, so let's do it again. This political advertisement paid and approved by elect Daphne Campbell for Florida State Senate District 35. Effectivement, et excusez-nous, mesdames, messieurs, nous avons un petit problème tout petit avec son. Et donc, l'essentiel avant de finir. Mais pourquoi pas passer créole là, Jimmy? C'est créole là pour pas mourir, parce que tout le monde parle anglais, faut-il pas être créole? Oui, oui, m'a fait le talent comme ça, Donc, madame Daphné, nous comptons en pile dès que nous allons faire parler. Évidemment, nous t'avons parlé avec mon première fois, mais là, c'est son autre bagage complètement, parce que nous avons un pile bonne nouvelle. Pour nous, et comment est tout d'abord? Well, moi très bien, j'ai un petit problème en téléphone, j'ai eu tout ça earlier, parce que si je ne connais pas si c'est un adversaire qui switch téléphone, moi sous téléphone pas yo, et puis depuis on me relève pas, je me connais, après on dit après, moi pas, je me gagne, ou quand texte, moi pas, je me gagne, c'est yo gagne, sans que moi-même, je me find out ce qui a passé, je me fais police report, et je me dis qu'on y a là, tout le monde dans la police, parce que on ne va pas supposer.
transférer le téléphone au monde sous téléphone pour. Même par contre, comment faire passer au faire mettre en compagnie T-Mobile, DMIS, des plus comme si téléphone ou gagner comme si en décolle d'attente, call forwarding, sous que call forwarding non, is on, ou pas turn it off. N'importe qui qui prend un téléphone pour la mettre sur le téléphone. Et puis après, tout ce qu'on dit, il prend un téléphone, n'importe qui il est, il prend toute la bagarre. Comme si on pensait que c'était mon test et mon texte. C'est un gros problème. Quand il y a toute la bagarre dans la police, que je ne sais pas si c'est paix ou paix. Il paix parce que je vois que le monde est là. L'élection, ça me cadre sur l'élection qui est pire dans le support. Et pas même avec toute l'élection que j'ai fait. Songez que moi monté à la 2010 à être député, me fait 6 ans à être député, et puis me monté 2016 à être première femme sénatrice dans cette Floride là. Bravo. Je dis que tout le monde moi fait communauté haïtienne très très fière, parce que pour qu'à haïtienne, pour qu'à un noir, et puis pour une femme encore, pour monter à la haïtienne, le plan de jour qui travaille moi fait. Je dis ça pour passer les parler côté infirmier haïtien. Depuis que vous passez infirmier là en Haïti, vous êtes rentré, bon, j'avais pour examen sans papier. C'est un gros bagage lié. Que moi-même, quand il y a là, je dis que je travaille avec un pile. Bon, je vous pose une question, est-ce que les montées pour travailler avec un sénateur, avec un député en Haïti? Je me dis, oh. Même toujours travailler avec eux, parce que les que me présenter en loi. Pour faire drapeau, nous sommes. Faire drapeau son loi lié dans cette Floride, ou indépendance de son loi lié. Héritage, je montre comme si nous connaissons un mois qui est héritage pour Haïti. Son loi lié dans Floride. Quand il y a la 18 mai, hein, tout le monde va le fêter. Même si on n'y a pas l'école, parce que tout le bagage est fermé. Qu'on a pas fermé tout le bagage. Qu'on a pas fermé, il ne connaît ni blanc, ni noir, ni sous riche, ni sous pauvre. Il ne peut pas connaître sous haïtien, sous blanc. Il frappe tout le monde. Ce qui veut dire tout le bagage est fermé, mauricien. L'on marche dans la rue dans Miami. Comme si, moi, franchement, je me disais, comme si il m'a tout bon, j'ai venu. Parce que, puis, notre température est noire. Ouais, c'est pas le même genre, pas bien qu'un. Fierté, pas dans quel monde, comme si pas de monde qui est content encore. Comme si on comme si tout le jour on est allé. C'est ça. On va même manger, pas de dans la maquette. Pas de manger dans la maquette, manger fini. On va sur chaque. Nous allons manger, nous allons manger chaque samedi. Bon, ici, on a fait mon parc. C'est pas passé, nous servir 3685 machines. 3685 machines. Nous allons manger. Chaque machine, il y a deux familles, il y a trois familles, il faut manger tous les trois ou tous les deux. So, bagaille manger ça, c'est un bagaille qui est extraordinaire. D'après tout le monde, on va manger parce que pas rien manger. C'est ça. Bagaille pas facile. Et ma vie, quand on a parlé de prix ouvert pays, et me croit pays a si long danger. Oui. Parce que même quand il y a quantité de monde qui mourit à New York, moi-même, je suis mort qui mourit la semaine passée. Dans COVID-19, tout on a fait l'enterrement dans le 22. Bon, même l'enterrement, avant, m'était mouru l'année passée, avant COVID, nous faisons l'enterrement avec 4 000 $. Mais quand il y a pour mon employeur, tout le monde connaît mon employeur, Duquesne Durand, c'est mon cap, il mourit dans la COVID semaine passée là. Qui veut dire, ouais, quand il y a l'homme, il y a 13 000 $ que font l'enterrement pour lui, comme si. Nous avons pile professionnel malheureusement qui perd des vidéos. Mais en nous faut quitter ça, madame, tout petit, en nous parler et comment la campagne a déroulé là, parce que nous connaissons que c'est le 18 août et où tu as doué une sénatrice et dans quand démocrate, mesdames, messieurs, parce que nous connaissons pile monde qui sous forme là, qui plus que démocrate que républicain, mais où c'est un démocrate non? Moi-même, je suis démocrate, moi, je suis conservateur démocrate, je dis toujours ça. Conservateur démocrate, je ne suis pas fouillé comme dans n'importe bagaille. Moi, je suis très conservateur démocrate, et ça fait que moi, travaille. Vous connaissez tout le monde dit ça déjà, c'est adventiste, moi. Nous sommes adventistes, on est adventistes, nous sommes adventistes. Ce qui veut dire qu'on sait, on va parler comme si on sait de.
on se dit de doctrine que moi j'ai gagné tout qu'un bel même genre but as a démocrate nous faisons pile bagaille nous faisons pile pas en pile loi pas en pile l'âge de la communauté hein mais des communautés hein la communauté hein et vraiment comme pour les femmes sénatrices vous connaissez nos bonnes villes dans Miami notre Miami c'est qui dirige pas trois haïtiens c'est haïtien qui a dirigé on y a notre Miami Beach qu'on l'autre on l'autre ville encore notre Miami Beach on y a trois ici encore et c'est monsieur qui est à la assise as un démocrate sénateur pour appuyer pour ces 35 ans moi c'est un privilège les congrès ont officiers ou bien politiciens qui n'ont high level consacré pour State Floyd là ou connaissent State Floyd là qui 20 000 monde là-dedans over 20,000 monde over 20 000 monde dans State Floyd là pour regarder l'obgarder pour le président Trump j'en sais pas là ici mal l'obgarder pour l'obgarder pour que je te dis dans Miami c'est haïtien qui proteste là dans Miami l'obgarder encore que le toujours abba haïtien mauvais nom et m'a dit encore haïtien de quoi non à l'Afrique que l'on travaille dans Miami là depuis le temps des haïtiens et n'ont pas bon job là même si tu on en voit si on dans l'école si on a des quatre diplômes master nous on pas que qui fait dans Miami là, obligé quitter la Floride, obligé quitter Floride là, puis aller l'autre côté, puis aller travailler parce que ne pas foutre tout le travail. Nous nous sommes bilingues la mine anglais avec spanish. Ne vous pas parler spanish, mais si on est docteur et puis on prend un monde qui parle même un high school diplôme dans Miami, c'est lui à point parce que lui-même il parle espagnol ou pas parler espagnol. Donc toutes bagages là sont quoi, sont bagages qui pas de sens. Mais COVID-19, c'est deux langues que je mette. Anglais avec créole, je ne vais pas mettre en créole. Qui veut dire nous-mêmes haïtiens, nous comprenons, c'est pour bon monde, on a un niveau, pour qu'ils cachent sur la table pour parler pour nous. C'est un bouquet des haïtiens. Le bouquet des haïtiens, la caille, c'est la caille. Exactement. On ne peut pas parler mal la caille. Ou si tu as bien dit, oh, les haïtiens, pas bon. En sénateur, on n'est pas bon, député, on pas bon, you know, en magistrat, pas bon. Listen, ou à l'hôpital, on va trouver tout docteur qui bon. C'est ça. On va trouver tout infirmier voilà, qui bon. Voilà. Ou à l'école, on va trouver tout professeur bon. Ou parce que la CAI, bon, mais vous connaissez, c'est où la CAI qui a ce problème. Mais, Mais pendant que dit ça, Madame Kemel, ou gen une bonne nouvelle pour Haïti là, et par rapport à la réalisation ou ta voulu faire bientôt, et ou a fait contact là pour ta une machine, pour ma gonne soit annoncé ou n'a ou n'a bien fait. Well, yes, parce que nous avons cité Golden Beach. T'en es bien, il y a une cité qui est très riche, le Golden Beach, parce que quand il n'y a pas de personne qui peut être copié, madame de la Sénat, qui peut être l'argent dans la distance de Tioa, il dit que tout le monde a dit que Tioa a tellement de l'argent, il n'y a pas besoin de copier notre argent, il peut être quand même. Il y a une machine police, quatre machines police, que le banc moins pour me porter Haïti. Nous avons un petit soleil, magistrat, c'est petit soleil là, c'est lui qui est venu. Nous avons connu déjà pour nous balayer avec OCAP. Si nous pouvons diviser en deux, nous balayons petit soleil un peu, et puis 1000 poteaux lumière avec 1000 en poubelle. Comment on dit ça? Poubelle. Ok? Donc vraiment, nous sommes supposés faire un grand spectacle avec ça. Côté que nous avons plus de monde qui sont en Haïti. Nous avons magistrat qui vient avec tout le staff, comme c'était soleil. Et avec au cap tout. Nous avons magistrat au cap qui sont supposés venir. Tout le bagage est fini, il est très très bien. Nous faisons l'aide pour tout le bagage. Colin Bich fait l'aide pour tout. Un magistrat, on a besoin de ça passer. Avec COVID, tout le monde est chita, nous ne pouvons pas faire rien, parce que en COVID, c'est un bot. Depuis COVID, on a entré en Haïti, nous pouvons faire gros bagage à ça. Moi-même, songe 2014 ou 2013, nous avons déposé 100 cabanes électriques, nous déposé avec toute ma clame, nous déposé dans l'hôpital JCS. C'était Dieu dans le monde, sénateur de Time. Il était payé tout transfert pour ça. Moi-même, même à l'Aïti, je suis pour Théo. Par contre, si vous observez, bon, vous connaissez.
sans cabane et les colbet qui pote dans Haïti non cap so au cap c'est pays pas moi c'est ça ça me café pour cap m'a toujours continuer faire so on cas dit tout le monde cap tandem et les que t'a présenté bill en fait drapeau te mené du don luma dit un groupe sénateur pas question du tout Jean-Charles mon Jean-Charles était là mal on connaît c'est pour les femmes connaît en pédé un groupe en avec tout staff yo en pile dans TV magistrat là tout des paquet magistrat ou les 25 magistrats quand tu étais campé sous flore en dans chambre sénat même présenté one by one nous mettait photo sous screen là nous mettait titre en bas screen là et nous assigné deux trois sénateurs qui pas même haïtien du tout et moi c'est haïtien là-dedans des anciens des trois sénateurs pour te présenter chaque point dans différentes façons. Et ton bel spectacle, le ça quand me dit, en paix, mes amis, quel que soit le problème ou avec un haïtien, ou par exemple, dans le groupe 35 ans, mon yuka pour avoir, non, c'est 5 blacks américains, 4 blacks américains, ma conscience, on n'est aussi pas en lien, mais il y a 4 blacks américains qui démocrates. C'est moi seul qui femme, moi seul qui haïtien. Mon fille qui est black américain, tout cas couru. Mon fille black américain avec trois messieurs, avec moi-même qui seul haïtien. Je ne sais pas qui intérêt, si un haïtien reste dans Miramar, pour choisir un black américain contre moi-même. C'est ça. Je ne sais pas qui intérêt, si on reste dans Miami Gardens. Mais ça veut dire que dans la zone où il y a plus haïtiens que l'autre nation, yo? C'est la 35 ans, pas plus haïtiens la donne. Il y a haïtiens, mais pas plus haïtiens. Il y a la donne. Il y a haïtiens dans notre Miami, dans notre Miami Beach. Il y a haïtiens dans Biscayne Garden. Il y a haïtiens dans Opa-Waka. Il y a haïtiens dans pile haïtiens qui étaient dans Miami Gardens. Dans pile haïtiens qui étaient dans Miramar, Pembo Pines. West Park, Allende, Haïtien était dans tous côtés. Mais bon, petit groupe qui un gros groupe qui était dans Miami Gardens, bon gros groupe tout qui était dans Miramar avec West Park. So, en City West Park là, on va gagner les caméras. Caméra chargée, on est $277. Caméra chargée, l'on vire à droite sous lignée rouge. Que pas supposé mon ticket. Oui. Nous baillons mon ticket parce qu'il y a besoin de l'argent rentrer dans la poche. Parce que les caméras qui nous tiennent dans notre Miami, nous les retirons. Nous tiennent dans Miami Show, nous les retirons. Nous tiennent dans Biscayne Park, nous les retirons. Nous tiennent dans El Portal, nous les retirons. Nous tiennent dans 4 cities pendant que nous sommes députés. 4 cities. Ce qui veut dire, les montées là, je ne vais pas les retirer là, ou pas là. Ma préférée, ma mécanique, même si on ne peut pas comprendre rien. Moi-même, pas de même conduire. On peut pas mettre sur machine pour lui. Je vais 8 tickets. 8 tickets, licence pour cancer, 4-3. Toi, tu ne vas même connaître. Mais 18 août, tout le monde, mesdames, messieurs, tout haïtien, passe ce message-là. En nous encourager, et madame Carrie Campbell, ça veut dire que, de vous parler trop loin, supportez, voyez l'énergie positive. Parce que là, nous disons construire nouvelle Haïti, hein, c'est comme ça. C'est l'un et de l'autre. C'est comme ça pour nous faire. Et tout autant nous unis, et bien, nous avons une plus forte, mesdames et messieurs. C'est simple. Donc, madame Campbell, pour 18 août, c'est sûr et certain, ou déjà bon. Parce que vous avez toute énergie avec vous. Et toute force, bon Dieu, en lien avec vous. Et nous-mêmes, moi, ça nous avec vous. Et c'est sûr et certain, parce que nous avons des compétences. Mais il y a des amis qui posent nos questions. Et ils disent nous, ça, pour qui ça, ou pas présent en Haïti. Et est-ce que vous êtes capable de répondre à ça? Pour qui ça me parle ça? Pour qui raison pas de présenter comme si dans la politique Haïti? Il y a 11 ans qui posent des questions ça. Oh, mes amis, je vais répondre très bien. Quitte au Cap 1976. Wow. Quitte au Cap 1976, moi, je prends le point. Nous fais baccalauréat 1, nous fais baccalauréat 2. Nous sommes infirmières, 4 infirmières. À son que je suis infirmière, 1981, je suis entré à New York. New York depuis 1981, mes amis. Sauf mes amis, pour tout le temps, ça me vient dans le pays, pour moi, Haïti. Bon, pas bon. Je suis oublié tout le Haïti, oui. Je parle créole, mais Haïti, moi, je suis français. Je parle français. Mais je
je veux, je moi, je m'en pas fait, bon, mes amis. Comment on prend le président bagaille ici, là, il n'y a pas les bons petits français, soit. Non, mais c'est que de toute façon, langue Haïti, c'est que on y est. Haïti, c'est pas les français, oui, madame Kimbel. Et pas pour moi, les français, on parle ensemble. On parle français ensemble, c'est là. Et pour les français, on n'y a pas tout le temps. Donc, les français, on dit, bah, pas Canada, on consomme qui est Ottawa. Les mots, là, pas les français, on dit, ok. Parce que nous disons qu'on parle français, mais parce que l'arrivée dans le pays ici, et soit j'ai été marié avec un Jamaïcain, il me dit ça déjà. Ce qui veut dire oublier le français à net. Je parle créole bien, je parle créole qu'on y a là. Le français à oublier complètement. Ce qui veut dire qu'on peut lire, qu'on peut chanter en français. On peut chanter l'autre jour, je ne crains, je t'aime. Oui. Pas qu'à lire le français à bien. En tout cas, Nabdou, merci en plus, Mme Kimbel. Nabdou, rappelez tout le monde. 18 août, mesdames, messieurs, 18 août, eh bien, nous avons une nouvelle sénatrice. Et dans le camp Floride, c'est bien Floride. Pour tout le monde à le supporter, à l'encourager. Et dernière fois, nous avons un numéro de téléphone, mais cette fois-ci, nous n'avons pas de parce que il y a un peu de monde qui fait des ordres. Et numéro, madame, non, mesdames, messieurs, nous commençons à appeler là 2-3 heures du matin, 4 heures du matin, il n'y a pas de fait sens. Autre, ça veut dire si nous avons besoin, si il y a un monde qui t'a voulu parler avec madame Kimbel. Je ne vais pas dormir, Jimmy, je ne vais pas dormir 4 jours. Oui, 4 jours, il ne va pas dormir. Ok, 4 jours, je ne vais pas dormir, 4 jours, je ne vais pas travailler, 4 jours, je ne vais pas manger, je ne vais pas laver bouche, je ne vais pas foutre dormir, je ne vais pas foutre dormir. Et then, I don't know what happened, ça va pas être mon problème. Et puis, l'autre monde qui prend le téléphone, il transfère le téléphone sur la caille. C'est ça. Eh bien, pas de problème, nous avons mis en pile et avant de conclure, et nous avons bon, si vous avez un numéro de téléphone, nous capable d'écrire en privé et pour le support, parce que nous avons une famille de tous côtés dans la Floride, là, eh bien, c'est important. 18 août, mesdames et messieurs, sénatrice, madame Kimbel, c'est lui-même pour nous supporter. Pour qui raison? Pas de l'autre raison, parce qu'elles sont haïtiennes. Point final. Donc, merci en pile, madame Kimbel. Je vais passer là pour moi, mes amis. Non, mais pour l'instant, c'est anglais en gain. Ma poubelle, j'ai passé anglais, malheureusement. Oui, bon, est-ce que on l'a pour que tu te l'as? Ok, mais avant l'émission, avant l'émission finie, ma passe avec eux là. Ok, pas un problème. Merci en pile, hein? Merci en pile. Merci en pile. Merci beaucoup. Merci en pile. Ça fait nos plaisirs en pile. Parce que c'est ça, but Chanel et Mouna Febon TV. C'est encourager, supporter tout ça qui est positif, mesdames, messieurs. Et je pense que c'est très très important. Oui, oui, je connais. Depuis nous, on fait ça comme ça, c'est ça veut dire. Et maintenant, ouais. 5 minutes, si vous avez voulu faire un petit relais, vous pouvez faire parler parce que nous ne pouvons pas faire une émission trop longue parce que nous disons, et là nous faisons une émission trop longue, nous n'avons pas besoin de tout le bagage. Mais l'essentiel, c'est que nous avons pile l'actualité et nous, que une fois de plus, nous devons remercier et justement Doc Solution, mesdames et messieurs. Et je dis tout le monde, sincèrement, on nous remercie Doc Solution parce que je dis là, Doc Solution relais nous, côté qu'il dit que Jimmy est prêt pour lui aider. Pour lui aider les gens qui sont en Haïti, il est prêt pour lui donner un coup de main à les gens qui sont dans Chili, il est prêt pour lui donner un coup de main à les gens qui sont dans la République Dominicaine. Donc, il fait un geste, un gros geste, et nous-mêmes, avec geste, nous allons partager avec Haïti, Chili et République Dominicaine. Même là, c'était $1, même là, c'était $50, eh bien, c'est geste dans le compte. Donc, nous remercions Doc Solution, mesdames et messieurs. Et avant ça, bref, nous t'en et nous parlons de qu'est-ce que l'absolution en talent comme ça. Et là, des amis, ça, bonsoir. 5 minutes, après ça, vous m'allez. Bonsoir. Bonsoir, Jimmy, comment est-ce? Nous très bien, vous-même. Oui, d'accord, mon frère. Mon cher, je vais féliciter les compatriotes là, parce que c'est ça. Côté que les non-bons haïtiennes comme ça qui présentent nos pays. Dans notre pays, côté des migrants, mais ça fait fierté, non? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bien. En tous les cas, salut. Deuxièmement, on connaît, nous t'es parlé avant hier, bon. Si toutefois, il y a un moyen, nous avons aidé au moins deux familles pour pupitre Chili, ils t'en font bien. Dans quelque soit façon, parce que situation très difficile dans le moment, actuellement, tout côté en quarantaine. Actuellement, les soldats dans l'arrière, c'est que y a des gens qui sont tellement dans une situation difficile, n'a pas comment aider quelques gens. En tous les cas, si vous avez un moyen d'aider, nous, nous passons la traite et votre. Et nous avons invité à laisser le numéro de téléphone, parce que là, nous avons un peu de monde, nous avons plus de demandes, évidemment.
il y a un peu de monde qui a pris nous tous les côtés. Bon, on parle de ça qui a passé en République Dominicaine, il y a une pire aide. Nous parlons de ça qui a passé, mais il y a un peu de demande, un peu de demande. Et nous avons invité tout le monde qui a fait un geste, mesdames et messieurs, même si nous étions déjà bail, si nous avons moyen, parce qu'il faut que nous ne pas exagérer quand même, si il y a un monde qui a fait un geste encore, nous sommes capables de faire. Mais en même temps, je remercie plusieurs monde et les gens qui ont fait un numéro de téléphone, nous avons fait les gens directement dans ce sens, nous merci. Abdi, merci. Un pile, un pile, un pile. Laissez le numéro de téléphone, nous, les amis. 9-72-41-42-38. Bon? 9-72-41-42-38. Ah oui, 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 parce qu'à chaque fois, mon vie, j'ai pris une nouvelle feuille parce que. Ah, ok. C'est ça, c'est à ça. En tous les cas. Donc, on est bien numéro, ou même au Chili et. Ouais, comment il est? Enel Faustin. E-N-E-L-F-A-U-S-T-I-N. Ok, ok, ok. Merci en pile, merci en pile. Merci en pile. D'accord. Merci, Faustin. D'accord. Donc, nous prenons pour notre appel là tout de suite, mesdames, messieurs. Je me dis, nous pas prêter longtemps. Nous pas prêter longtemps parce qu'il est en train d'arriver sur nous. Parce que nous, depuis que ça arrive, c'est le même format de travail. On a dit bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, l'attendre, mon frère. Oui, nous-mêmes, nous avons le domaine de cœur. Nous souhaitons le bon travail. Oui, l'attendre. Oui. Oui, nous-mêmes, les Dominicains, bon, on est situation en général complet. Nous avons écouté l'émission de plus ou moins. Nous sommes arrivés de nous pour nous recommander, nous, s'il te plaît. Oui, mais laissez-nous mon téléphone, mon frère, si vous voulez faire un geste. Moi, je dis nous sincèrement, c'est mieux que nous quittions, mesdames, et parce que, bon, ici, nous voulons aider vraiment les gens qui vraiment en besoin. Ça veut dire, mesdames, qui viennent petit monde. Côté nous-mêmes, garçons, nous sommes capables de faire 2-3 jours, mais mesdames, qui viennent 3-4 petit monde. Le plus difficile pour vous. Vous comprenez? Oui. Ok, nous comprenons. Nous sommes dans une situation où on va aborder de tous côtés. Oui. Nous mettons le téléphone en 8-29. Oui. Et 8-77. 78. 4-23. Ah ben, ok, merci un peu, mon frère. Ok, ok. On va ben non, oubliez ben non. Ok, merci un peu. Ok. Pas oublier, l'aime prendre non nous comme ça, m'baba n'a qu'une garantie que m'appelle nous, ça important. Ça important en pile. Donc, bon, je pense que m'prend assez appel parce que pas oublier que m'a déjà gon liste qui déjà gagne l'autre nom déjà. Tout ça, on a regardé là, c'est non qui déjà prend. Donc, nous pas capable de prendre trop non à cela. Et évidemment. Et bon, n'a dit tout le monde, merci un peu, mesdames et messieurs, partagez l'émission pour nous. Et n'a pas un bon, m'gon appel à Haïti là. Haïtien lui-même. Oui. Allô, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Timmy. Oui, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Timmy. Moi, je vois un homme par un collègue, mais je vais gagner les sous-stations. Non, c'est pas lui qui va voir, non, c'est parce que tellement de demande. Lès que nous voyons nous, ça ne veut pas dire que, ça, même si nous parlons avec le monde, ça ne veut pas dire que automatiquement nous avons fait un geste. C'est grand pile de monde qui a appelé nous, madame. Vous comprenez? Nous avons fait un peu mon espoir, ça veut dire que tout autant où on parle directement pour me dire, ok, on prend un nom. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Eh bien, c'est moi-même qui était Saint-Domingue pour me traverser. Et Saint-Thomas, c'est moi frère qui ai dit manger comme frère ça avec Laura. Au bas, j'en songe. Non, oh, mais vous imaginez, vous avez n'importe 200 personnes qui appellent mal à la minute, madame. La difficile pour me songer. La très difficile, ma fenêtre avec vous. Mais laissez nom avec le numéro de téléphone. Nous. Qui côté est là actuellement? Igwe. Ok, puis moi, où est le numéro? Ok. Ouais, faut que moi, je. Et passeport Saint-Thomas, c'est un... Oh, bon, oui, ok, mais si nous faisons un transfert pour vous, comment faisons-nous là? Oui, oui, passeport Saint-Thomas, où est le nom de Haïti? Allez, trois pays où est le nom là, hein? Non, bonjour,
est toujours sur le téléphone. Il est toujours dit que c'est quelqu'un d'elle. Mais mon ami, c'est de là, il est capable de prendre pour moi. C'est ça, mon sœur. Ok, téléphone, là, c'est 809. Ok. 377. 94 74 77 94 72 ok 72 il y a un nombre de mon nom c'est Eder Eder juste mais attends Moi-même, c'est téléphone, maman, bah, ou, téléphone, c'est avec, c'est la vie. Ok, mais est-ce qu'on est, pour vous ou est-ce pour mon Saint-Domingue? Bon, je ne sais pas, moi, côté moi, là, les bagailles qu'on a femme, là, même, moi, j'ai pas mal de familles, bagailles vraiment mille. Même Dominique, qui n'a là, côté moi, bagailles pas bon pour vous. Vous comprenez? Il y a un peu de travail, des fois, c'est nous collecter ensemble, nous faisons bagailles globales. Ok, mais. Ok, pas de problème. Merci en pile. Merci, monsieur Jimmy. Parce que je ne sais pas trop comment dossier ça, non, là, sincèrement, là. Et bon, charge. Bon, et nous allons prendre un dernier appel, là. Et mes amis, nous allons prendre. Mes amis, bon, seconde pour me rappeler, parce que si nous appelons en même temps, et parce que quelqu'un qui a pris l'équitable font un geste, nous allons faire la chance pour régler. Donc, nous allons prendre l'autre appel tout de suite. Après, je vais prendre deux appels et je vais faire une émission parce que, mesdames, messieurs, il faut que nous comprenions que. Oui, et allô. Il y a un frère qui travaille. Allô? Attends une seconde. Oui, parlez plus fort, mon frère, parlez plus fort. Puis là, nous, s'il vous plaît, nous ne pas parler de base, parce que c'est une base. Et par respect, s'il vous plaît. Oui, n'importe où, mon frère. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonsoir, monsieur Jimmy, comment est-ce? Très bien, vous-même. Pas plus maintenant, et que assez longtemps, Marie m'attend des émissions, non? Et puis, il est à besoin de rentrer dans l'émission. Chaque temps, il sonne, nous ne sommes pas capables de rentrer. Je dis à papi, il n'y a pas gagné la télé. Oui, n'attendez madame, n'attendez pas. Réseau fait ma prière, parce qu'elle me dit, nous ne sommes pas basés, nous content. Madame, allô? Je suis Chili. Oui. Et que moi-même, c'est pas moi qui t'ai des émissions souvent, c'est Marie qui t'a dit, elle dit que ça est que mon à l'étranger dispose d'un aide pour le bail. Tout le monde qui est en situation. Nous pas vraiment disposé, non, madame. C'est les gens qui font un geste, les gens qui sont capables. Ils font un geste. C'est pas les gens qui pensent que nous sommes comme non, mais nous. Parce que. Bon, je pense que nous avons comme nous, mais nous, que nous-mêmes nous décidons à bailler. Mais ok, pas de problème. Laissez-nous mais au téléphone. Est-ce que réellement ou aider mon Chili réellement? Nous faisons possible, nous, madame. Nous essayons d'aider de tous côtés. Mais nous pas, c'est pas un bagage nous faisons vraiment. Nous essayons d'aider les gens qui sont vraiment pas capables. Au monde qui va capable acheter on dit lettre pour petit lit qui va acheter un petit couche. C'est pas grave, petit, gros problème, nous ne sommes pas capables de résoudre. Il faut que nous comprenions ça. Vous comprenez? Ok. Mais qu'est-ce que ça pour me faire là pour capable ou pour aider? Quel problème vous avez là? Vous avez même, madame? Parce que vous connaissez Chili en quoi, toute zone Chili en quarantaine. Par exemple, là, vendredi, si je veux, commune, quand vous êtes à partir en quarantaine, avant quarantaine. Ah, avant quarantaine? Ok. Eh bien, ok, et oui. De toute façon, laissez nom avec numéro de téléphone. Mais, attendez, je ne vais pas avoir une garantie. Laissez nous laisser nom avec numéro de téléphone, je ne vais pas avoir une garantie que comme si nous avons un bagage. Vous comprenez? C'est important. Okay. En pile. Comme ça, si vous avez un des messages là, qui t'a voulu faire un geste, eh bien, c'est une occasion de nous bailler. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner. C'est nous qui a fait un geste, qui t'a voulu prendre un numéro pour bailler un bagage. Mais ce n'est pas nous-mêmes. Vous comprenez? C'est okay, même pas de problème.
Pas de problème, mon bonhomme. Oui, n'attends pas. Nommé Mernit, c'est moi le Mernit. M-E-R-N-I-2-E. Ok, et puis qui est le mot de téléphone? Mernit. Mernit Barthélus. Qui est le mot de téléphone? Numéro de téléphone, moi, c'est plus 569. Ok. 664 56 Allô? Oui, madame, n'entendo. 56 42 83. Zami? Est-ce en pile? Numéro, parce que moi, numéro en long en pile, mais rebelle quand même. Ok, Aria code là, c'est 569. Numéro de téléphone là, c'est 674 56 42-83. Ok. Eh bien, merci un peu, le, c'est madame. Arrière, c'est arrière-côte là où qui fait longue là. Ah, ok. Eh bien, nous saluons mon chili. Merci un peu. Eh bien, ok. De toute façon, on m'attend être là parce que... Non, madame, attendez bien, Samzou. Attendez bien. Vous voulez aider? Non, c'est pas nous, maintenant. Attendez bien, Samzou. Non, pas bah, garanti. Là où nous parler. Son chance ou gain pour parler comme si pour t'expliquer le problème non si il y a un monde qui veut faire un geste la fait mais m'pas veut que nous penser à cause que nous jeune ligne non automatiquement nous jeune bagaille pas ça là que me reler dans privé si nous me reler dans privé me dit nous voyons nous ou mettre connait nous bon mais avant ça nous beaucoup bon nous presque bon OK merci chérie eh bien OK maintenant Jéhovah voye au sous deux pieds OK ciao ouais, bon il va dire Jésus non dit Jéhovah merci chérie. Non, je connais. Jésus, il y a baptisé, non, Jésus, mais vraiment, non, pas par là, c'est Jéhovah. Vous pouvez très bien sous la Bible, vous pouvez s'adresser. Merci, chérie. Ok, pas de problème. Moi, je prends non parce que moi, c'est. Moi, je suis comme si madame avait un caractère comme ça, ça veut dire que. Ou que. Allô, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Jimmy. Oui, Nathalie. Comment est-ce? Jusqu'à maintenant, nous très bien. Et vous-même? Très bien, grâce à Dieu. Bonjour, non. Ça fait près de deux semaines, moi, je suis relé au Saint-Fini à Maslin, qui a parlé avec vous. Ah, ok. Maintenant, ils ont noué déjà? Ou songez, plomb, te gen, am te di ou ça, et puis ou pas, jamais écrit, ou pas, jamais dit message là. Ah, mais elle va faute, moi, non, chérie, regardez. Bon, m'explique, pour qui ça m'a répondu, elle va faute, moi, regardez. Ouais, tout ça, yo, mes amis, tout ça, yo, c'est des factures, c'est des sûres. On va nous dire, si elle m'a répondu, c'est pas faute, moi. C'est parce que tellement nous gagnons, transfert nous fait, ça veut dire, mais qui sont nous, eux-mêmes? L'aimerait, l'air ou tomber à peine là. Mais. Ah, eh bien, si, eh bien, ça veut dire que je me fais vraiment. Debout, ça. Oui, et ça fait moi, nous avons l'autre numéro. Où est appel là, du coup, ça vous fait dresser pour moi. Mais est-ce que tu es jeune déjà ou même? Est-ce que tu es jeune déjà ou même? Eh bien, je vais vérifier. Mais laissez le numéro. Je ne sais pas où le numéro, je ne sais pas où le numéro, je ne sais pas où le numéro. Ah, eh bien, bon, parce que dans la zone, moi, je n'ai rien du tout, et puis je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas d'internet. Ouais, je dis à mes noms, vous ici, je dis moi ça, même sans que téléphone, je n'ai pas d'internet, tu as fait quelques demandes. Vous comprenez? Mais. Tu n'as pas de nom, vous voyez, c'est nous, là. D'accord, ça, pour faire filmer ou faire vidéo pour nous, exactement. Puis nous-mêmes, nous avons ça pour nous faire, ok? Bon. Comment vous jouez nous-mêmes? Ok, madame, voyez le numéro, voyez le nom, parce que là, vous pouvez m'apprendre trop d'énergie là. Bon, et voyez le nom, s'il vous plaît, parce que là, vous pouvez les arriver sur moi. En attendant. Ok, écrit. Marceline Vilma, M-A-M. C-E.
Ok, puis là, c'est le numéro de téléphone. Sincèrement, moi, je ne sais pas non. Si vous avez un téléphone, je vais la prendre. Mais maintenant, ouvrez le numéro. Ok, 829. Mm-hmm. 836. 4575. Ok, merci un peu. Merci. Bon, et bon, mesdames, messieurs, je mettez fin parce que là, et j'en ai dit là, j'ai plusieurs, j'ai ouais, tout ça. Regardez-nous, ouais, tout appel manqué, tout le monde qui a appelé. Évidemment, nous ne sommes pas capables de prendre tout appel. Yo. Et, mais l'essentiel, nous remercions tout le monde qui font geste vraiment et tout le monde qui continue à faire un geste parce que nous avons en pile de monde. Mais j'aime dire tout le monde, moi-même, pas gain, comme si je ne pas promettre personne, rien. Et c'est peut-être ça, nous avons fait une mission comme ça. Je pas stress, je pas pression parce que je ne pas promettre, je ne pas gens de monde qui a fait promesse. Si nous aimerions les noms, nous voulons non nous, mais que nous privé, là sont notre bagage. Non, Jimmy, pas prend. Nous pas prendre, au contraire. Nous avons bien passé là. Parce que son bagage n'a fait à que nous pas de personne rien, nous faisons parce que nous avons une bonne nécessité. Vous comprenez? Puis si nous faisons, c'est grâce à vous-même, ça veut dire que nous avons aidé. Et dans la mesure que nous sommes capables. Tout autant nous faisons geste, moi-même, je suis toujours disponible pour m'aider. Mais à la minute que, bon, pas les gens qui vont, ils continuent à appeler, mais les gens sont venus me faire. Mes téléphones sont sous silence, tout simplement. Et depuis à 5h du matin, ils ont appelé. 5h, 4h du matin, ils ont appelé. C'est comme ça, bon, écoute, je vais répondre à 4h du matin. On va appeler à 4h du matin, 5h du matin. Entre temps, je dis tout le monde, merci en pile et partagez l'émission pour nous. Et demain, si Dieu veut, nous allons faire quelques transferts. Et bon, si nous avons 50, ça nous va faire là. Nous n'avons pas obligé de voir 30, nous n'avons pas obligé de voir 20. Parce qu'il y a trop de demandes. Trop de demandes. À ce moment, mes amis, partagez pour nous. Et oui, effectivement. Et pour numéro sénatrice, écris-moi en privé. Écris-moi en privé parce que je n'ai pas de numéro sur les zones. Parce que dernièrement, nous avons un numéro 1. Eh bien, nous avons envahi sénatrice à 4h, 5h du matin. Et après, il n'est pas trop content. L'essentiel, partagez l'émission pour nous, s'il vous plaît. Partagez l'émission. Et puis, si il y a l'autre monde qui t'entendait, eh bien, peut-être qu'il y a un numéro. Il y a pas de transfert. S'il le faut. Entre-temps, bye bye, merci un peu.